SpaceX a clôturé le troisième trimestre de l'année avec son 70e lancement. Au début de l'année, SpaceX visait 100 lancements en 2023 et le rythme actuel amènerait l'entreprise à 94 d'ici la fin de l'année. Mais comme d'habitude, il y a toujours une augmentation de la cadence au cours des trois derniers mois de l'année. Et le PDG de SpaceX, Elon Musk, a confirmé son intention de lancer jusqu'à 10 fusées Falcon par mois d'ici la fin de l'année, suivi l'année prochaine de 12 lancements par mois. Et ça se traduirait par 144 lancements en 2024. Ça briserait tous les records. Et l'entreprise fait de grands progrès en essayant de maintenir le rythme, avec des délais d'exécution beaucoup plus courts pour ses rampes de lancement. Les lancements nocturnes ont également lieu lorsque les conditions météo en Floride et en Californie sont les plus favorables à un lancement. Ça réduit considérablement les chances que ces missions puissent être repoussées plus loin dans le calendrier. Et les opérations des drones ont également été rationalisées, en particulier sur la côte Est, où ces navires de récupération ne passent presque plus de temps au port. On parle d'une journée ou deux avant de repartir en mer. Et cela a permis de maintenir le temps moyen entre les atterrissages à environ 8 jours, contre une moyenne précédente d'environ 10 jours au cours des deux derniers trimestres de l'année. Et les prochaines missions intéressantes pour le reste de l'année seront le lancement du vaisseau spatial Psyche de la NASA. Ils ont d'ailleurs effectué samedi le test statique du Falcon Heavy qui sera utilisé. Et il y aura également l'atterrissage Nova C d'Intuitive Machines sur la Lune et le lancement du vaisseau spatial X-37B de l'US Space Force. Et voici des images, on va se le dire, assez particulières de la reconstruction du pas de tir orbital après le premier lancement. On n'a pas vu ça très souvent, des images comme ça, là, publiquement, je pense. Elles ne sont pas publiques. Ouais. Mais c'est certain que lors du premier lancement, il y avait des chances que la fusée bascule et détruise le pas tout entier. Et ça n'aurait vraiment pas servi de créer au départ un pad parfait à la fine pointe de la technologie et très dispendieux. Il aurait fallu le reconstruire quand même. Et cette semaine, j'ai manqué un peu de temps pour mes chapitres habituels. On parle d'aviation, cosmos et fascination. Mais c'est pas grave, on va se concentrer sur l'actualité spatiale. Bienvenue dans votre Actualité spatiale. Show! Cette semaine, du côté de la Starbase de Boca Chica au Texas, puis en passant, c'est là que le plus grand projet du futur de l'exploration spatiale prend vie. Eh bien, nous avons eu le retour du duo tant attendu. En début de semaine, la grue LR 11000 était de retour avec le répartiteur de charge et le gabarit s'est abaissé, a connecté l'anneau du hot staging et l'a assemblé au sommet du Super Heavy. Et après, c'était le tour du Starship qui a eu encore une fois un petit problème d'alignement. Et puis après quelques heures de travail, le Ship 25 et le Booster 9 étaient à nouveau réunis. Et n'oubliez pas que ce ne sera pas l'assemblage final pour le vol numéro 2 parce que le système de terminaison de vol n'a pas encore été installé sur le Starship. Et quelques heures après l'empilage, l'umbilical Ship Quick Disconnect s'est lentement étendu vers l'avant et s'est attaché, mais pas pour longtemps parce que 10 minutes plus tard, il a effectué un test de rétraction à pleine vitesse. Et ici, nous apercevons la porte anti-souffle qui s'ouvre pour protéger les conduites de carburant ouvertes parce que cette nouvelle fonctionnalité, elle va être vraiment importante lors des lancements. Mais en gros, vous voulez pas que des débris tombent dans ces sorties de carburant lorsque le booster décolle. Et la semaine dernière, je vous parlais que SpaceX, c'était comme une usine de robots bien rodés. Parlons des nouveaux prototypes, les prototypes du futur. Le Ship 25, nous le savons, oui, il sera le prochain prototype à voler. Et le Ship 26 est maintenant sur la plateforme suborbitale en attendant un tir statique. Et tout ça, c'est génial, mais saviez-vous qu'il y a 7 autres prototypes Starship, Super Heavy, qui sont à différents stades de développement? Oui, il y a le Booster 9 qui fera équipe avec le Ship 25 pour le deuxième lancement dès que les approbations seront obtenues, mais il y en a 6 autres. Et ça, mes amis, c'est du SpaceX, parce qu'aucune autre compagnie utilise cette façon de fonctionner. Je vous parlerai pas de tous les morceaux et avancées des futurs prototypes, il y a plein de chaînes qui en parlent, puis moi je crois pas que c'est pertinent, mais ils sont là. Et la FAA, maintenant? Cette semaine, nous apprenions que la licence de communication pour les vols Starship serait prolongée jusqu'à l'été prochain. Mais ne vous en faites pas, parce que SpaceX dispose déjà d'une licence valide pour le deuxième lancement. Donc pour l'instant, bien que la FAA met tout en œuvre pour que le vol soit effectué dans quelques semaines, nous devons attendre. Et comme Elon Musk l'a dit il y a peu de temps, « Par souci d'équité envers la FAA, il est rare qu'elle provoque des retards importants dans le lancement. » Bref, le deuxième vol semble très près. «
L'Organisation indienne pour la recherche spatiale comptait prolonger là, la mission de son robot lunaire, mais malheureusement, après son sommeil, il répond plus. Il s'appelle Pragyan, ou si vous préférez Sagesse, c'est un véhicule fonctionnant à l'énergie solaire qui a été mis hors tension pour les fameuses 2 semaines que dure la nuit lunaire. Mais après avoir réalisé sa mission au pôle sud, l'agence aurait bien aimé poursuivre l'aventure en le réactivant une fois la lumière revenue sur la surface lunaire, mais l'engin n'a toujours pas réagi. Ben, ce n'est pas grave s'il ne se réveille pas, car il a fait ce que l'on attendait de lui. A déclaré le patron de l'ISRO. Et la semaine dernière, l'ISRO avait déclaré s'efforcer sans succès d'établir une communication avec l'atterrisseur Vikram et le robot mobile Pragyan. Mais malheureusement, aucun signal émanant d'eux n'a encore été reçu. Selon l'agence spatiale indienne, le véhicule avait pour mission d'arpenter la région du pôle sud lunaire très peu cartographiée et transmettre des images et des données scientifiques pendant 2 semaines. Et le robot mobile indien a ainsi confirmé la présence de soufre, d'aluminium, de calcium, de fer, de chrome et de titane sur la surface lunaire. Et d'autres mesures ont également montré la présence de manganèse, de silicium et d'oxygène. Bref, ils ont raison, c'est pas si grave, il a déjà suffisamment contribué, le petit robot lunaire Pragyan. Nous apprenions la semaine dernière que la mission Psyche, ou Psyché pour les intimes, de la NASA vise un lancement le 12 octobre. Il ne reste plus beaucoup de classes d'objets dans notre système solaire que nous n'avons pas examiné de près avec un vaisseau spatial, et l'un d'eux, c'est l'astéroïde métallique. Psyche est un astéroïde qui orbite autour du Soleil entre Mars et Jupiter, et la raison pour laquelle cette roche est unique, c'est qu'elle est en métal. Et on pense qu'il s'agit peut-être d'un noyau résiduel qui serait composé de nickel et de fer d'une planète primitive qui aurait pris naissance dans les toutes premières parties de la formation du système solaire. Et après que cette planète aurait commencé à se former, elle serait entrée en collision avec d'autres corps qui auraient ensuite arraché le manteau rocheux, laissant ce noyau en place. Et ce noyau serait très précieux, car c'est la partie des planètes impossible à échantillonner. Il fait bien trop chaud, la pression est trop élevée, et les instruments fondraient. Imaginez percer un trou aussi profond au centre de la Terre. Hey, je crois que j'ai trouvé un passage! Psyche nous donne donc l'opportunité de visiter un noyau, puis après le lancement, le vaisseau naviguera dans l'espace interplanétaire pendant un certain nombre d'années. Il survolera tout d'abord Mars pour utiliser l'assistance gravitationnelle qu'il propulsera dans la ceinture d'astéroïdes, puis il se dirigera vers cet astéroïde. Et le vaisseau se déplacera autour de Psyche. Sur 4 orbites pour collecter les mesures à partir de 3 instruments principaux. La sonde est composée de quelques caméras qui prennent des photos ainsi qu'un spectromètre à neutrons gamma pour mesurer la composition de sa surface et un magnétomètre qui sera capable de détecter tout champ magnétique résiduel qui indiquerait qu'il s'agirait vraiment d'un noyau. Et la technologie de propulseur à effet Hall sera utilisée, puis ça c'est nouveau. Elle fonctionne 5 fois plus efficacement que les fusées normales. Moins de carburant sera donc nécessaire pour orbiter autour de l'astéroïde et la sonde utilisera également la propulsion électrique solaire. De grands panneaux solaires dépliables à 5 panneaux fourniront de l'électricité pour les propulseurs, qui utiliseront également du xénon pour se propulser. Ce sera la première fois que des propulseurs à effet Hall voleront dans l'espace lointain. La NASA et SpaceX visent donc désormais le 12 octobre pour un lancement de Falcon Heavy de la mission Psyche depuis le complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center. Et ce changement permet à l'équipe de la NASA de terminer la vérification des paramètres utilisés pour contrôler les propulseurs à gaz froid à l'azote du vaisseau spatial, parce que les paramètres ont été récemment ajustés en réponse aux prévisions actualisées de température plus chaude pour ces propulseurs. Et faire fonctionner les propulseurs dans les limites de température, c'est essentiel pour garantir la santé à long terme des unités. Et les activités de vérification impliquent de refaire des simulations et d'affiner les ajustements nécessaires aux paramètres et procédures de vol. Et les responsables de missions de la NASA, SpaceX et Psyche se sont réunis jeudi dernier pour procéder à une revue de l'état de préparation au vol. Et Psyche offre donc une fenêtre unique sur l'histoire violente des collisions et de l'accrétion qui ont créé les planètes telluriques. Et du côté du lancement avec la merveilleuse Falcon Heavy, il y aura des opportunités de fenêtre à chaque jour entre le 12 et le 25 octobre. 2024. T'as vu McFly pour la CD fête? Oh, c'est pas vrai, t'es toujours aussi fort, McFly. Non, 2023. T'en dis des niaiseries, toi, hein? Cette semaine, nous avons eu énormément d'actions dans la Station spatiale internationale, ou près, oui, parce qu'il y a eu un record qui a été battu par la NASA. Tu veux dire SpaceX? Non, la NASA.
L'équipage qui a été lancé dans l'espace il y a environ un an, en septembre 2022, a atterri en toute sécurité, terminant son long voyage. Mais attendez, c'était vraiment un Soyuz MS-22. Quoi? Eh oui, c'était le vaisseau spatial qui a subi une fuite de liquide de refroidissement au début du mois de décembre de l'année dernière. Et plutôt que de l'utiliser pour ramener l'équipage sur Terre, ben, ils ont plutôt décidé de se désamarrer et d'atterrir ce vaisseau spatial de manière autonome, lançant une autre Soyuz de récupération pour ramener l'équipage chez lui en toute sécurité. Et c'est pourquoi le Soyuz MS-23 a été lancé sans équipage en février. Et cela impliquait également une énorme extension de mission, ce qui a probablement frustré un peu l'équipage. C'est comme ça, on par problème dans station spatiale parce que je veux pas rester dans les mains. Et après tout ce temps, c'est ce véhicule MS-23 Soyuz qui a ramené l'équipage du MS-22 chez lui. Et mercredi passé, le vaisseau spatial s'est détaché de la station et est rentré dans l'atmosphère et a atterri au Kazakhstan. Et en raison de la durée prolongée de cette double mission, eh bien l'astronaute de la NASA, Frank Rubio, qui partageait la mission avec ses collègues cosmonautes, ben, il a battu le record du plus long vol spatial continu effectué par un Américain après avoir passé plus de 371 jours en orbite, battant de peu le record de 355 jours établi par Mark Van de Hey en 2022, mais il est quand même très loin du cosmonaute russe Valery Polyakov, avec presque 438 jours entre 1994 et 1995. La mini-navette Dream Chaser de Sierra Space se rapproche de plus en plus de son lancement, puis aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de son système de protection thermique. Même si le véhicule ressemble à la navette spatiale, bien, il est en réalité basé sur une conception assez différente. Oui, la NASA a étudié le véhicule pendant plus de 15 ans avant de transférer les recherches à la société Sierra Nevada de l'époque, aujourd'hui Sierra Space. Et du côté de son premier véhicule Dream Chaser, ou le DC-100, ou Tenacity, bien, son système de protection thermique est très complexe. Le véhicule est recouvert de plus de 2000 tuiles individuelles. Et ça se compare à environ 24 000 pour la navette spatiale. Wow! Mais c'est normal parce que le véhicule Tenacity est 4 fois plus petit et l'entreprise utilise également des tuiles plus grandes que celles de la navette. Chaque tuile du Dream Chaser, bien que de taille légèrement différente en fonction de son emplacement sur le véhicule, eh bien mesure environ 25 par 25 cm par rapport aux tuiles de la navette spatiale qui étaient de 15 par 15 cm. Et chaque tuile du véhicule à base de silice a un design unique par sa taille, sa forme, son épaisseur et sa densité. Et la plupart des matériaux blancs observés sur la navette spatiale étaient en réalité des couvertures thermiques, qui étaient de plus en plus présents jusqu'à la fin pour réduire le poids. Et sur le Dream Chaser, eh bien, ce sont des carreaux noirs et blancs. Et la principale différence entre les deux réside dans un additif spécial apporté au revêtement extérieur. Une autre différence significative est que le véhicule se compose principalement de deux types de tuiles noires et blanches. La navette spatiale avait des parties de l'orbiteur qui devaient être renforcées pour supporter la chaleur de la rentrée, notamment le nez et le bord d'attaque des ailes. Et à ces endroits, la NASA a utilisé des tuiles spéciales en carbone renforcé pour résister aux températures plus élevées. Et en comparaison, eh bien, le Dream Chaser n'a pas ce genre de panneau, parce que les panneaux standards peuvent résister déjà jusqu'à 1420 degrés Celsius pour plusieurs cycles de réentrée. Et les carreaux spécialisés peuvent aller même plus haut pour un usage unique. Et en réalité, les tuiles vont servir bien plus que simplement la rentrée. En plus de protéger le véhicule lors de la rentrée, eh bien, ça l'aidera également à normaliser la température à l'intérieur de l'engin lorsqu'il est exposé directement au soleil. Les températures peuvent atteindre 120 degrés Celsius pendant la lumière du jour orbital, et les tuiles peuvent aider à maintenir une température constante pour les expériences et éventuellement pour les humains. Et les ailes pliables, ben ça c'est également un facteur de conception unique. Ça permet non seulement d'obtenir un profil de véhicule plus petit lorsqu'il est amarré à l'ISS, mais également de s'adapter à n'importe quel carénage de charge utile de 5 mètres. Parce que Dream Chaser va être à l'intérieur d'un carénage de fusée là, quand il va aller dans l'espace. Pas le smart. Spatiale. Et ce qui est étonnant de ce véhicule, ben, c'est que la plus grande forgée qui sera subie lors de la rentrée ne dépasserait pas 1,5G. Et pour l'instant, le véhicule devrait être lancé l'année prochaine au sommet de la nouvelle fusée Vulcan de United Launch Alliance, ou ULA. Et le véhicule sera capable d'atterrir sur la plupart des pistes conventionnelles. Il est actuellement prévu d'atterrir au centre de lancement et d'atterrissage du Centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Et concernant la réutilisabilité, eh bien, le TPS nécessitera encore quelques travaux entre les vols de chaque avion spatial. Les carreaux de la navette spatiale ont été injectés de diméthyléthoxysilane. Peux-tu répéter?
Bref, ça a été injecté entre les vols pour aider à imperméabiliser les carreaux et Sierra Space en fera autant. Et Tenacity ainsi que son accessoire Shooting Star seront bientôt envoyés au centre de recherche Glenn de la NASA dans l'Ohio, où ils subiront des tests sous vide thermique ainsi que des tests de vibration et d'acoustique. Et ensuite, le véhicule sera livré au Kennedy Space Center en Floride pour les derniers tests avant le lancement. La semaine dernière, SpaceX a célébré le 15e anniversaire, oui, de son premier lancement du fameux Falcon 1 en orbite terrestre. Et c'était le 28 septembre 2008 avec une équipe de seulement 500 personnes. Et vous me connaissez, j'ai eu envie de vous faire revivre cet événement. Elon Musk est fasciné par l'espace et la possibilité de coloniser Mars depuis très longtemps, et c'est la raison pour laquelle il a fondé SpaceX, qui est entré dans l'arène avec rien de plus qu'un vieil entrepôt poussiéreux dans la banlieue de Los Angeles. Mais cependant, l'entreprise avait des objectifs ambitieux et cherchait à construire autant de fusées que possible, y compris des rampes de lancement et des moteurs de fusées. Et une caractéristique clé des fusées SpaceX serait qu'elles garantiraient des lancements plus abordables que ceux de leurs concurrents. Et SpaceX a décidé d'utiliser l'île de Kwajalein, qui est situé entre Guam et Hawaï comme site de lancement. Et en mars 2006, eh bien SpaceX a décidé de lancer la fameuse fusée Falcon 1. Et le lancement n'a pas réussi, la fusée est tombée directement sur la rampe de lancement. Et ça a été suivi de deux autres échecs qui ont presque épuisé moralement l'équipe et financièrement l'entreprise. Et après des mois de travail infatigable et continu, eh bien l'équipe de SpaceX a préparé la fusée Falcon 1 pour le lancement final qui décidera de l'avenir de l'entreprise. Et je sais pas vous, mais selon moi, ça a fonctionné. Le lancement était prévu pour le 28 septembre 2008 et a été un succès. Alors que la fusée grondait puis montait plus haut, les employés de SpaceX étaient dans un état de joie extrême. Et après la chute du premier étage, eh bien le deuxième étage s'est déclenché environ 90 secondes après le début du vol et les employés sont devenus, ouais, carrément ravis, remplissant la web diffusion de leurs cris. Le moteur Kestrel est devenu rouge et a commencé sa combustion de 6 minutes. Lorsque la deuxième étape s'est dégagée, j'ai enfin pu recommencer à respirer. Ah, et mes genoux ont cessé de fléchir. A déclaré James McLaury, machiniste chez SpaceX. Et lorsque Musk a quitté la salle de contrôle après le lancement, il a déclaré: eh bien, c'était vraiment génial. Comme le dit le proverbe, la quatrième fois est la bonne, n'est-ce pas? Il ne riait pas, le SMAT. Puis devait rire un peu. Et de nombreuses années se sont écoulées depuis. Jeudi, SpaceX a célébré le 15e anniversaire de son lancement historique. Il y a 15 ans aujourd'hui, Falcon 1 était la première fusée à combustible liquide développée en privé à atteindre l'orbite terrestre. Et ça, eh bien, c'est la société qui l'a écrit sur X avec une merveilleuse vidéo qu'ils nous ont partagée cette semaine. Et ça complète votre actualité spatiale. Show et merci à tous pour votre présence. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de l'aventure Blue Dot Future, cette expédition qui nous fait gravir à chaque semaine cette magnifique montagne. Et comme disait... Confucius? Non, je t'ai eu, cette semaine, Albert Einstein. L'imagination est plus importante que le savoir. Et n'oubliez pas d'alimenter vos passions. Tout est possible, il faut juste y croire. Et n'oubliez pas d'être Blue Dot, parce que le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos! Activated.